Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du Star Wars et du très très lourd, puisqu'on se retrouve aujourd'hui pour la review du buste life size de Darth Maul. Avant de commencer la vidéo, je tiens à faire deux remerciements. Le premier à mon ami Louis, qui est la personne qui permet de faire la review du buste. Souvenez-vous, il m'avait déjà fait bénéficier de la review de Kylo Ren au niveau du buste life size. Donc mon Louis, qui est un grand fan, mais genre même plus que fan, je crois qu'il est amoureux de Darth Maul. Un grand merci à toi. Deuxième remerciement, justement la boutique d'où vient ce buste de Darth Maul, qui est la boutique Twilight Zone, qui est une boutique qui se trouve en Hollande. Donc un grand merci à eux pour leur sérieux, pour leur rapidité, pour l'emballage, pour tout. Franchement, Twilight Zone, je recommande. Dans la description de la vidéo, je vous mettrai le lien de la boutique si vous voulez faire vos achats là-bas. Boutique 100% recommandée. Donc un grand merci à eux pour tout le professionnalisme, le prix, l'envoi, la rapidité. Vous pouvez y aller les yeux fermés. On est parti pour la vidéo les amis, on est parti pour la review. On va éviter de vous montrer la boîte. Pourquoi ? Pour la simple bonne raison que Sideshow, tout comme pour Kylo Ren, a fait juste un carton brun. Il n'y a pas de jolie artbox. Au prix des bustes à plus de 1000 euros, pas faire une jolie boîte design, je trouve franchement c'est scandaleux. On avait déjà eu le cas sur le Kylo Ren, on s'y est fait. Maintenant il faut s'y faire sur tous les bustes life size, puisque Sideshow a l'air d'en avoir un petit peu rien à faire de faire de jolies boîtes pour les collectionneurs. Donc on va passer tout de suite au montage. Montage du socle, ensuite montage du buste avec sans capuche. On montre tout ça, on est parti pour le montage. On est parti sur le socle les amis. Le socle, on a totalement le même que celui qu'on avait pour Kylo Ren. Donc socle qui ressemble à l'intérieur d'un vaisseau avec la tige qui va venir s'emboîter dans le buste. Donc on connaît, on a vu le même sur Kylo. C'est d'un noir laqué. C'est dommage que sur le devant ça ne s'illumine pas. Un bouton light up pour illuminer toutes ces parties là aurait été le bienvenu et ça aurait été super génial. Sur le dessous, on retrouve, voilà, Darth Maul. Life Size Bust, Limited Edition, et comme pour Kylo Ren, on n'a pas du tout de numéro de limitation. Donc c'est limité, mais on ne sait pas à combien malheureusement. On a le visuel avec justement la tête de Maul à moitié, Star Wars, Darth Maul, Limited Edition, Life Size Bust. C'est un petit peu dommage de ne pas avoir donné de nouveau un tirage bien défini. Hop, on remet ça dessus. Deuxième chose, on met le buste. Alors, le buste arrive dans la capuche totalement emballée. Donc on va regarder ce que ça donne. Hop, je vais pour le moment le clipser. Comme ça, avec la capuche, je cherche le petit pegs que voilà. Voilà, le pegs est mis. Je pense qu'au niveau centrage, on est plutôt pas mal. Au niveau du buste, je le découvre comme vous, je n'ai pas encore eu le temps de le découvrir. Donc la capuche est très grande, je ne sais pas si vous remarquez, mais elle tombe carrément par-dessus le visage. On ne voit strictement plus du tout ce que c'est sur l'arrière également. Donc je pense qu'il faut savoir la ranger. Je ne suis pas un expert en la matière. Pour les capuches Star Wars, je vais essayer de faire au mieux pour donner quelque chose de plutôt accurate. Alors, je découvre déjà comme vous le buste. Waouh, ah ouais d'accord, ça lâche, ça claque, c'est un truc de dingue. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de casse, que les corps ne sont pas abîmés dans le transport. Hop, non, tout a l'air d'être nickel. Waouh. La capuche, comme je vous dis, est vraiment, mais vraiment immense. Je ne sais pas du tout comment ça s'arrange. Alors, on va regarder si on fait comme ça. Bon, pour celui qui voudra la mettre sans la capuche, je pense qu'on pourra l'arranger de la sorte. Voilà. Je ne sais même pas les poteaux. C'est assez complexe. C'est assez complexe. Alors, hop, peut-être comme ça. Je ne sais pas du tout comment Maul porte ses vêtements. Pour les spécialistes et pour mon ami Louis, ne m'incendie pas si je mets la capuche n'importe comment. Bon, on va la mettre comme ça, ça donne déjà quelque chose de bien. Allez, je regarde comme vous et je le découvre en même temps que vous, je vois ce que ça donne. C'est propre, c'est vraiment propre. Le rouge est bien rouge. On a les beaux dégradés de noir et autres. Le regard est un petit peu de côté. Les yeux sont bien gérés. Bon, ça m'a l'air d'être testiqueur, ça m'a pas l'air d'être peint. Les lèvres, je ne suis pas fan. Par contre, les lèvres, je ne suis pas fan du dégradé noir qui est à l'intérieur. Je pense qu'il aurait fallu me faire un petit peu plus rouge. Les dessins sont bien gérés. Ouais, non, c'est pas mal. Juste un petit peu, voilà, le regard de côté, pas fan. Les oreilles, nickel. L'arrière du crâne, sublime. Les cornes sont juste magnifiques. À chaque fois, on retrouve la petite collerette rouge tout autour qui fait un petit peu sanguinolente. Les cornes sont bien gérées. On a l'impression que c'est du bois. Il a la boucle d'oreille, donc nickel. Il a le petit piercing qui est fait dans le dessus de l'oreille. Donc ça, c'est accurate aussi. Ouais, non, c'est pas mal. C'est pas mal. À côté, ça fait vraiment life size. Ça fait vraiment une belle tête. Je trouve que c'est plutôt pas mal fait. Alors, avec la capuche. Ah ah, comment est-ce qu'on met ça? Alors, hop.
Bon, bah, la capuche, c'est pas très compliqué en soi non plus. Si vous la mettez comme ça, je pense que ça peut donner quelque chose de bien également. Hop, on regarde un petit peu sur le côté. Oui, voilà, on peut le mettre avec la capuche. Format un petit peu plus. Un format un petit peu plus. Un petit peu plus dark, hein, un petit peu plus sombre, qui est pas mal également. La combi, c'est super joli également pour l'espèce de peignoir qu'il porte en dessous. Excusez-moi, le mot peignoir, ça s'appelle pas comme ça, mais bon, pour moi, c'est comme si c'était un peignoir. Et le personnage est quand même très emblématique. C'est un de mes sites préférés. Je vais m'asseoir juste à côté pour en parler un petit peu avec vous. C'est parti. Voilà les amis, comme je vous disais, c'est vraiment un des personnages favoris dans l'univers de Star Wars. C'est un des mauvais ou des méchants ou des Sith en tout cas qui est le plus charismatique pour moi. Ce Maul est une dinguerie. Par le chara-design déjà, cette espèce rouge, noir et autres, son double sabre, Ray Park qui est juste un acteur exceptionnel dans l'interprétation de ce personnage, qui fait un truc de dingue. Non, mais franchement, le buste est vraiment une très belle représentation de Maul. On a vraiment quelque chose qui est de qualité. Le paint est propre, le grain est bien géré également au niveau de la peau, c'est bien fait. Est-ce que je préférais l'exposer avec ou sans capuche? Bonne question. Je pense qu'avec capuche, il fait un petit peu plus sombre. Et certains ils aimeront peut-être plus l'exposer sans la capuche. Dites-moi, vous, si vous l'avez ou si vous l'achèteriez, vous l'exposeriez plutôt comment? Avec ou sans capuche? Ça m'intéresse de savoir ce qui est pour vous le plus emblématique de Maul. Pour moi, je réessaye quand même sans la capuche. Sans la capuche, on voit quand même les cornes et autres, c'est quand même plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt quand même pas mal. Hein. Donc on replie la combi, enfin la capuche. Ouais, non, sans la capuche, c'est pas mal également. Je sais pas trop. En tout cas, ça ne me concerne pas parce que moi, je ne l'ai pas acheté personnellement. Donc, je n'ai pas trop à me poser la question de comment je l'exposerais. Mais si je devais l'acheter et si je devais l'exposer, je me poserais la question de savoir. Ouais, comme ça, ça donne pas mal. Avec la capuche qui retombe derrière. Et là, on voit vraiment tout le visage de Maul avec les cornes et autres. Je pense qu'il faut montrer comme ça. Comme ça, il est plutôt pas mal, plutôt bien. Après, petit bémol sur les yeux. Pourquoi les avoir fait sur le côté? Les avoir fait de face aurait été pas mal, avec un regard peut-être comme ça, où il regardait vers le haut, aurait été génial également et beaucoup plus menaçant. Là, sur le côté, je ne suis pas ultra fan du regard. Mais c'est une très, très belle réalisation. Eh bien, écoutez, les amis, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà, les amis, conclusion sur ce buste life-size de Darth Maul de chez Sideshow. Très belle réussite. Le paint est pour moi très bien géré. Pas fan de la lèvre intérieure qui est noire, qui j'aurais préféré avoir rouge. Le regard, bon, moi je vous ai dit que j'étais pas fan. Mon ami Louis vous dira totalement le contraire, que ce regard de mépris est vraiment l'expression choisie, la meilleure expression choisie pour Darth Maul. J'aurais préféré, moi, un regard intimidant vers le haut. Lui me dit que, voilà, lui connaissant Darth Maul à 2000%, me dit que c'est vraiment l'expression qui caractérise mieux le personnage, avec tout le mépris qu'il a pour tout le monde. Il est vraiment, voilà, il a un mépris pour tout. Pour toute personne existante, il n'y a que lui qui est fort, il n'y a que lui qui est puissant. La seule personne donc qui pourrait craindre serait peut-être Dark Sidious, parce qu'il est quand même beaucoup plus puissant que lui, mais il a du mépris pour tout le monde. Donc ce regard méprisant de côté un petit peu serait pour mon ami Louis en tout cas l'expression la plus accurate en tout cas au personnage. Dites-moi vous ce que vous en pensez, ce que vous aimez, et bien ce regard de côté, est-ce que vous auriez préféré un regard plutôt sadique et un regard plutôt... voyez vers le haut, un petit peu intimidant comme ça, comme moi je l'aurais aimé. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, c'est une tuerie. Au niveau du tarif, il coûte dans les alentours de 1 270 €, si je dis pas de bêtises. Dans la description de la vidéo, je vous mettrai le lien de Twilight Zone si vous voulez vous le procurer, puisqu'il est disponible là-bas, et ceux qui nous l'ont procuré, donc autant faire leur petite pub, puisque c'est une boutique très sérieuse. Sinon, vous pouvez l'acheter où vous voulez en France, on le trouve encore assez facilement. Ne le commandez pas chez Sideshow celui-ci, parce qu'avec les frais de port et également les frais de douane, il revient beaucoup plus cher qu'en France, et aujourd'hui, il est disponible en Europe. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous êtes fan du personnage, dites-moi également si vous êtes fan de l'univers de Star Wars, si vous avez l'intention d'acheter ce buste ou si vous l'avez peut-être, tout ça m'intéresse dans les commentaires. Encore un grand merci à mon ami Louis et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé, vous likez, vous vous abonnez et tout le tout team. Place au visuel et à bientôt les amis.